sortie de la PAC, c'est-à-dire émise c'est environ 2028. Regarde la liste à l'arrière. Il y a un chien. Ou un chien, c'est un ours. L'ours du nord-ouest de l'Oregon. Cornbent a donc effectué des recherches parmi les étudiants du nord-ouest de l'Oregon. Il en est ressorti les noms de 5 personnes, que des casiers judiciaires vierges, aucun militant pour les droits des animaux, des citoyens. Amélie n'aurait pas dû se mentir. Je suis sûre que c'est Michel qui a imaginé tout ce piège. C'est fou.
Tu aimes ton fils, t'as peur qu'il s'ouvre. Je m'en suis tellement voulu de l'avoir élevé sans père. Je ne supporterais pas qu'aujourd'hui quelqu'un cherche à tromper. Un imposteur qui se fait passer pour son père. Pour l'extorquer. C'est ça que tu penses. Écoute. Te retrouver. Découvrir que j'avais un fils. Contrer, c'était une chance inespérée pour moi, alors que j'attendais plus. J'ai aucun moyen de te prouver en bonne foi, alors c'est une chance. C'est mieux pour Antoine et toi, je suis prêt à disparaître de l'autre. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire. Je ferai ce que tu voudras. Passer un peu de temps et va le voir. Non, je pourrais pas. Et puis je supporte pas de l'avoir trompé comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ah ben, tu l'aimes? Mais c'est n'importe quoi. Ah oui? Alors tu peux m'expliquer pourquoi t'es devenue sa maîtresse alors que rien ne t'est obligé? Pourquoi t'as refusé l'appartement? Pourquoi t'as rompu avec Michel? Bon, d'accord, j'ai des sentiments pour Antoine. Mais au final, qu'est-ce que ça change? Il ne croira jamais après ce que je lui ai fait. Essaye quand même. Tu peux pas laisser Michel s'en sortir comme ça. Mais quel salaud, celui-là. La jeune veuve si touchante, à qui vous avez donné des terres en marrant. Ouais, c'est retrouvé un toi. On a promis qu'on retombera jamais. J'ai bien